Mathieu Delormeau règle ses comptes avec Cyril Hanouna. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste est très en colère après avoir vu Raymond Abou être élu meilleur chroniqueur. En réalité, c'est lui qui était arrivé en tête du sondage et l'ex-animateur de C8 s'est violemment emporté sur son compte Twitter, en s'attaquant notamment à plusieurs de ses anciens camarades, dont Bernard Montiel et Gilles Verdez. « Je fais ma vie, heureuse avec des projets, je ne tweete pas, je garde tout pour moi, je ne commente pas ma peine d'avoir vu Bernard Montiel tweeter PMP People, mais je demande la même correction des autres. Grâce au Figaro, vous m'avez élu, meilleur chroniqueur de Touche pas à mon poste avec 54% sur 35 000 votes. Mais dans TPMP, c'est Raymond le vainqueur. Il a même fait un discours. Alors soit le Figaro, qui a reconfirmé son sondage, a menti, soit. Je vous laisse juger. Étonnant que les chroniqueurs libres et informés soient passés à côté de l'info. » Pourtant Gilles Verdez qui enquête et a obtenu 8% au vrai sondage téléspectateur, a dû pour une fois mal enquêter. Ça arrive sans doute. Même cette petite victoire symbolique mais touchante, ils me l'auront volée.